Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action, mais surtout pour la découverte des encres. C'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo tout de même. Hein. Alors tout d'abord, j'ai retrouvé un petit bloc papier, parce que pour le moment, les blocs papier de chez Action, soit c'est toujours la même chose, ou ça ressemble toujours à la même chose pour les blocs 30-30. Et là, j'avais enfin une nouveauté dans un look vintage qui fonctionne avec ce que j'aime faire. Alors évidemment, comme c'est tout petit, il faudra l'insérer différemment dans les albums. Mais je trouvais ça vraiment sympa pour, je pense, 99 cents. C'était vraiment sympa. Alors j'ai eu tout un lot de petits stickers, stickers sur le thème des plantes d'intérieur. Moi j'adore les plantes d'intérieur, donc je me dis que ça sera utilisable. Et enfin, j'ai trouvé ces lots d'encre. Alors, il y avait ceci et il y avait un lot avec moins de couleurs et des plus grands pads. J'avais l'impression que ceux-ci et les autres n'étaient pas destinés à la même utilisation, mais rien ne le mentionnait sur le paquet. Alors, ici, c'était 2,49€ par boîte. Donc, grosso modo, pour 10€, vous aurez un panel de couleurs énorme, allant du jaune, noir, gris, brun, vert, rouge, rose, bleu, mauve, donc ça c'est vraiment génial. Alors on a des jolies boîtes en métal, voilà, qu'on ouvre. Et là on a nos petites encres qui sont rangées. Et donc ça c'est vrai que point de vue rangement, c'est génial. On peut même ranger les boîtes comme ceci. Grâce à la couleur des boîtes, on sait plus ou moins dans quel ton on va se retrouver. Alors moi j'avais un, entre guillemets, espoir, on va dire, qu'on pouvait en faire un peu des genres de dupes pour les Distress Ink, que j'adore. Et donc je m'étais dit, allez, je vais tester, parce que pour tamponner, moi je suis abonnée à la Versafine. Vous le savez, c'est ce qu'il y a de plus précis, je trouve. Donc c'est vraiment pas le but de tamponner avec ça. Cela dit, on essayera un tamponnage quand même pour voir ce que ça donne. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai pris ma petite planche ici. J'ai préparé une feuille, une chute de papier que voici. Voilà. Et on va tout de suite faire un... Allez, on va essayer de faire un dégradé de bleu. Donc, je prends mes petites brosses que j'avais achetées chez Craftelier. Et je vais essayer de faire un dégradé. Donc en commençant par ce bleu-ci, en allant vers celui-là, ici. Je pourrais rajouter des couleurs, mais enfin bon, le but, c'est pas forcément de vraiment vous montrer la technique d'un dégradé, parce que je la maîtrise pas non plus. Mais le but, c'est surtout de voir si ça marche. Alors, normalement, avec mes distress, voilà, je tamponne un peu sur ma plaque. Et c'est parti. Alors là, justement, ça commence. Alors, c'est pas hyper pigmenté dans le sens que vous voyez. Là, j'ai pris du bleu très foncé. J'obtiens pas une couleur de feu de Dieu. Je vais un peu prendre directement. Ah, voilà. Si je prends directement. Voilà. Donc, très sympa. Par contre, voilà. Je pense que c'est intéressant de se faire un petit... Oh, je ne sais plus le nom. Mais de vous faire des petits papiers pour voir vraiment la couleur, comment elle va le rendre. Parce qu'évidemment, ça ne rend pas comme on le voit sur les pattes. Alors ici, est-ce que c'est parce que je n'ai pas changé de brosse ou est-ce que la couleur est identique? Difficile à dire. Voilà. Ici, je vois pas une grande, si quand même, par rapport à là, on voit quand même une différence. Et je vais peut-être prendre une autre brosse pour le bleu le plus clair que je vais mettre ici. Hop. Alors, ça marche. Ça marche, donc ça c'est bon à savoir. Je vais, tiens, ajouter encore une couleur plus claire.
Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément de grande différence entre les couleurs. Donc si vous voulez faire des dégradés tout doux, c'est faisable. Voilà. Ici. Alors, que se passe-t-il si je rajoute une couleur totalement différente? Allons-y, prenons du rouge. Je vais prendre le rouge paprika. Et je vais attaquer ici. Voilà, on a notre attaque de rouge dans le bleu. Hein. Je n'ai pas plus de sens à donner à cette tâche. Très, très sympa, cela dit. Alors, du coup, moi, je me suis dit, tiens, mais donc, on va pouvoir faire quelque chose avec des petits pochoirs. Donc ici, j'ai un pochoir de chez Carabelle que j'aime beaucoup. Je vais opter pour une couleur bien foncée pour mettre le texte. Je vais essayer deux choses. Je vais prendre une couleur bien claire pour voir si elle ressort sur le bleu ou si pas du tout. Donc je vais opter pour le jaune. Et puis j'opterai sur une couleur foncée. Hop, là je vais directement me servir à la source. Alors, je crois que j'ai un peu bougé mon pochoir. Ça va, ça va. Alors, je vous spoil, mais les résultats sont pas mal. Hein. Voilà. Alors, en attendant, je prends... Ben voilà, j'ai du noir. Ici, parfait. Je vais prendre celle-ci. Alors, dites-moi si vous le savez, mais moi, évidemment, j'ai pas assez de brosse pour en avoir une par couleur. Mais je suppose qu'une fois que c'est séché, il n'y a pas de problème pour que je réutilise ma brosse jaune pour, entre guillemets, un autre jaune. Enfin, j'espère. Voilà. Et le résultat, le voici. Alors, ce que j'adore, c'est qu'on voit bien le jaune sur le bleu. Il y a, évidemment, j'ai été un peu loin avec le noir, donc on voit plus beaucoup. Ça se voyait bien. Je vais en refaire pour le coup, parce que la démonstration doit être complète. Donc voilà, vous voyez, le jaune se voit quand même pas mal sur le bleu. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que c'est quand même assez pigmenté pour bien se voir. J'ai réussi, en utilisant deux couleurs sur le même pochoir, à réaliser un dégradé hein, qui part vraiment du noir et puis qui vire sur un mélange de jaune et noir, ce qui donne un genre de gris-brun, et finir sur du jaune. Et donc finalement, voilà, moi je suis en mode, je fais des tests, je fais entre guillemets n'importe quoi, mais peut-être sans la tache rouge, ça... Le pochoir avec le fond de couleur bleue, c'est clairement un très 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 joli fond pour faire des cartes, des pages. Donc imaginez ce que vous pouvez faire avec. Alors je voulais tester quand même un tampon. Alors j'ai ce petit tampon, c'est un tampon ben, je pense de chez Action, que j'utilise très souvent pour faire des petites étiquettes en fait, c'est dans mon scrapbooking. Hop. On va pas se casser la tête. On va le mettre sur un petit bloc acrylique et je vais utiliser le gris foncé. Pourquoi pas? Alors, bon là quand je vois comment ça ancre le tampon, j'ai l'impression que ça va pas être super net. Mais je m'y attendais. Voilà, c'est clairement pas... pas génial, hein, vous voyez tout ce qui est, il faut une petite mise au point, voilà, tout ce qui est détail, j'ai l'impression que ça apparaît plus foncé à la caméra qu'en vrai, mais c'est pas très très fin, c'est un peu, je vais pas vous dire que c'est gris, parce que d'office c'est gris, j'ai pris de l'encre gris, mais alors pour bien vous montrer la différence, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer avec de l'encre noire. Hop, et puis je vais vous montrer avec la Versafine qui est ma chouchoute. Hein. Pour tamponner, il n'y a pas photo. Alors voilà, j'ai mon noir. Là, je me rends compte qu'en noir, en fait, c'est pas mal du tout. Finalement, bon, je me prends ma petite microfibre
Faut bien effacer l'ancienne encre. On va pas me dire que ça marche mieux avec la VersaFine parce qu'il y a du coup d'encre. Alors, VersaFine Onyx Black. Et ben la mise au point. Hop, merci. VersaFine Onyx Black. Voilà. Je tamponne. Bon, voilà. Moi, je sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Voilà, j'ai envie de dire, cette encre-ci pour tamponner, hein, les fameuses ink pads de chez Action, enfin DecoTime, pourquoi pas. Mais vous voyez qu'avec ma VersaFine, mes traits pleins sont vraiment pleins. Si je dois découper autour, ce que je fais souvent avec les étiquettes, c'est clairement beaucoup plus net et facile et propre. Et bref, bon, la VersaFine reste ma chouchoute. Par contre, en termes de... remplacement des distress, ouais, pourquoi pas. Justement, je n'ai pas encore testé une distress que j'ai achetée récemment. C'est la distress Chipped Saphir. Alors, ouvrons ça. Hop. Je suis en train en fait de vous préparer un petit haul craftelier et quand c'est craftelier, j'aime bien aussi tester, enfin, j'aime toujours tester les produits. Et pas simplement vous montrer ce que j'ai acheté. Et donc, du coup, ça traîne parce que j'ai pas le temps de tester tout. Alors, ici, donc voilà, ça c'est mon encre Distress. Ah, il est magnifique. Bon, par contre, je m'en fous plein là. Ah oui, à mon avis, tiens, je me demande ça. Voilà, ici, l'encre sèche moins vite, la DecoTime. Du coup... Par rapport à la VersaFine, j'ai plus vite des bavures en fait qui se font. Donc ça, faites attention, faites votre fond et puis tamponnez dessus. Et puis si après vous voulez repasser avec du fond pour une raison ou une autre, attendez certainement que ça ait convenablement séché. Alors, on ne va pas comparer... DecoTime et Distress, tout simplement. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comme ça en quelques minutes, même quelques heures, même quelques jours, dire qu'il y en a un qui va mieux fonctionner que l'autre. Le DecoTime sera peut-être sec en quelques temps, mais voilà, si vous voulez vous mettre dans les fonds, que vous n'avez peut-être pas un très gros budget, que vous dites tiens j'ai envie de tester, eh ben franchement, moi, j'ai envie de dire, mais allez-y. Allez-y, parce que vous avez des superbes box avec toutes ces couleurs. Donc, je vous montre bien les couleurs. Hein. Ici, on est dans le mauve. On est dans les bleus. Et là, on est dans noir, gris. Et alors, ici, je dirais des bleus un peu turquoise, mais un peu pâle, comme ça. Dans la boîte jaune, qu'est-ce qu'on a? On a du orange. Enfin, on a du rouge. Mais alors, vous voyez qu'il y a deux sortes de rouge. Hein. Celui-là, c'est du rouge, je dirais, un peu plus froid. Des oranges, du jaune et encore le noir, à mon avis, qui est peut-être commun à plusieurs, avec différentes teintes de gris. Alors, on va reprendre ici. On a alors des rouges, mais beaucoup plus chauds que l'autre rouge, avec des roses et des saumons. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Beautiful blush. Bon, moi, j'appelle ça saumon. Et puis, on a les verts, où là, vraiment, c'est full vert. Que ce soit des verts très flashy, des verts un petit peu bleutés, des verts kaki. Donc, on a vraiment de tout. Et franchement, pour le prix, je rappelle, 10 euros avec les petites boîtes de rangement. Hein, donc, même si vous vous séparez des boîtes et que vous voulez mettre vos encres dans vos tiroirs ou autre, ben, on a ce petit plastique hein, qu'on peut remettre dans son tiroir. Parce que c'est vrai que... Moi, je mettrais bien les boîtes comme ça dans mes tiroirs. Mais alors, il faudrait que je retire le couvercle. Est-ce que c'est possible? Vous voyez, c'est des genres de charnières. Donc, je me demande si c'est pas possible. Mais j'ai pas envie de casser la boîte parce qu'elle reste pratique. Enfin bon, je pense pas que ce soit possible de retirer le couvercle. Ou si vous le retirez, bah, vous saurez plus le remettre de façon correcte. Mais voilà, très 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 chouette produit. Et enfin, une chouette nouveauté chez Action, point de vue scrapbooking. On était un petit peu
un petit peu parents pauvres ces temps-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des idées d'utilisation que je n'aurais peut-être pas pensé, pas testé. Je ne connais pas tout. Je sais aussi qu'il y a plein de petits dos qu'on peut faire sur des encres. Moi, c'est quelque chose que je fais jamais, donc je ne vais pas trop vous montrer. Mais ça peut être très intéressant. Alors, pour résumer, pour moi, ces encres, oui, franchement, je ne saurais pas dire si dans le temps, elles vont être aussi durables que d'autres. En attendant, je pense que vous allez bien pouvoir vous amuser et que pour 10 euros, vous voyez que vous avez un panel de couleurs incroyable. Vous pouvez même vous dire que, par exemple, vous détestez le vert et donc vous laissez tomber cette partie. Maintenant, bon, moi, le vert, c'est la couleur de la nature. Le rouge avec le jaune, ensemble, on peut faire de magnifiques couchers de soleil, par exemple. Évidemment, le bleu, c'est le ciel, c'est la mer. Donc voilà, moi c'était difficile de faire un choix, donc j'ai tout pris. Bon, je le répète, c'est moins de 10 euros pour l'ensemble, donc c'est vraiment très agréable. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je fais une nouvelle vidéo ou même à vous abonner pour soutenir la chaîne.